Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette nouvelle aventure sur Grand Utopia. Et ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet, c'était ça. La surprise, vous l'aviez déjà compris sur la première vidéo évidemment, qui est sortie il y a quelques jours. Si vous n'avez pas encore vu, il faut absolument la regarder. J'espère que vous avez kiffé cette intro. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette surprise. Un grand merci à My Godness. On va pouvoir en parler. Bienvenue chez moi, bienvenue dans l'entrepôt, dans l'entreprise M Company, transporteur préféré de ton magasin préféré, bien sûr. C'est un transporteur donc qui livre les magasins et tout ce qui est nourriture. Donc là d'ailleurs, on est à Krautergersheim, donc vous l'aurez compris. On va transporter 17 tonnes de pâté de foie. Donc nous sommes basés à Krautergersheim, vous l'aurez compris, l'entrepôt est ici puisque Krautergersheim c'est en Alsace. Moi ce que je voulais donc avoir mon entreprise, donc comme L7C Fox, L7C Fox qui est donc basé ici, L7C Company, transport ici, à Chirac. Moi j'ai voulu me mettre, je voulais absolument être en bord de mer, c'était quelque chose que je voulais. Mais en même temps, Krautergersheim, je trouvais ça stylé parce que c'est en Alsace. Et en plus il y a la route de Mkolo pas loin. Et en fait ça m'a fait flash, mais en fait My Godness il a mis Krautergersheim en bord de mer. Donc en fait les gars, je suis là. L'endroit idéal, je suis là où il faut. Je peux pas être au meilleur endroit. Donc là les amis, vous allez pouvoir tous jouer et livrer avec mes remorques, avec mon entrepôt. Vous allez pouvoir faire ça. Alors pour le moment je l'ai en exclusivité, mais très bientôt si vous êtes chaud, eh bien vous pourrez le faire. N'hésitez pas à mettre un petit coup de pression à My Godness pour qu'il sorte ça le plus rapidement possible. Mais pour ça il faut que vous montriez que vous êtes chaud. Mais en tout cas voilà, bienvenue. Bon c'est un Iveco hein. Le camion c'est une mission rapide. Mais voilà, donc pour l'entrepôt, vous avez vu l'intro. On va quitter directement cet endroit. Et je vais vous montrer quelques petits clins d'œil que My Godness m'a très gentiment fait. Et c'est beaucoup trop sympa. C'est beaucoup trop sympa. Attends, je ferme les fenêtres parce que je crois que j'en ai qui sont ouvertes. Voilà. On est pas mal et on est parti. Alors, j'ai juste un petit problème qui est que je n'ai pas de retour de force. Et ça, c'est un problème que j'ai assez souvent depuis la mise à jour. J'en avais déjà parlé, souvenez-vous. C'est un problème assez chiant et j'ai déjà redémarré le jeu, redébranché, rebranché, etc. Il n'y a rien à faire. Des fois, c'est comme ça et c'est horrible. Là, regardez ce magnifique clin d'œil que My Godness m'a fait. Oh, ça fait trop plaisir. Mkolo, composant Metaverse. Il m'a fait une petite sculpture. C'est trop sympa. Voilà, j'aime beaucoup trop. Sculpté par My Godness le 5 mai 2022. Là, vous avez une vue d'ensemble de l'entrepôt. Enfin, du coup, du magasin, on peut le dire. Hein. Et puis donc là, l'enseigne à l'entrée, le phare, la plage, la mer. C'est magnifique. Et là aussi, petit clin d'œil à l'album Metaverse. Petite parenthèse, l'album Metaverse va plus être disponible très bientôt sur les plateformes. Ce n'est pas un choix. On aura l'occasion d'en reparler si ça vous intéresse. Mais je vais éviter de pousser des coups de gueule pour rien. Voilà. C'est pas contre vous, hein, c'est par rapport au label qui s'occupe de l'album. Voilà. Mais je vais rien dire. Je suis pas là pour cracher sur les gens. En tout cas, voilà, on est parti et on va passer trop du bon temps. On va où d'ailleurs? On va faire encore pas mal de route. Hein. On va à Ilif. Donc c'est 50 minutes de route, comme la dernière vidéo. Mais bon, avec plein de coupures. Et je vous remercie pour vos retours. Voilà les gars, je suis tellement content. Ça rebooste le moral. Voilà, je vous le dis, ça rebooste le moral de vous voir chaud, quoi. De vous voir chaud, tous vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Il y avait un abonné qui m'avait suggéré de mettre un mode pour avoir des voitures réalistes. Plutôt qu'avoir que les voitures de base dans le jeu. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai ajouté un petit mode là sur le workshop. Mais je mettrai tous les modes en description, j'avais oublié de le faire. Mais voilà, je le ferai, je mettrai tous les modes en description. Oui, j'ai oublié dans la précédente vidéo de faire tout ce que j'ai dit. Mais en tout cas voilà, je mettrai en description tout ce qu'il faut. Les modes, les DLC et tutti quanti. Voilà, pour l'heure il n'y a pas de véhicule hein, sur la route hein. Je sais pas si c'est normal. Je suis seul au monde hein. Je trouve ça un peu bizarre, on va voir. Bon écoutez, après il est 8h du matin. 8h30 du matin, ok. Ah si, il y a un véhicule qui arrive en face, c'est bon. Ça me rassure. Ça me rassure. Et donc normalement il y aura des véhicules différents de ceux d'habitude. On va voir. On va voir. Je sais pas si sur si sur Grand Utopia ça fonctionne. Oh mince, il y a eu un accident et... Oh, oh la vache. Oh, c'est violent, je vais faire des appels de phare à ceux qui arrivent en face. Pour leur dire quand même de ralentir. Tac. Attendez, j'ai un problème de volume dans mes oreilles. Voilà. Ça fait trop plaisir les gars de rouler avec ma remorque depuis le temps que j'attendais ce moment. Depuis le temps les gars que j'attendais ce moment, je vous jure. Je suis trop content.
Ça fait trop plaisir. Franchement, j'attends vos retours, voir ce que vous en pensez, même si vous vous en êtes déjà douté précédemment. Mais voilà, je suis trop content. Un grand merci à My Godness. Du coup, maintenant, je peux le dire et faire les remerciements global que je n'ai pas pu faire dans la précédente, parce que forcément, donc déjà, merci à lui pour la VTC, du coup, la VTCM Company. Merci pour les pubs qui sont un peu partout sur la map. Merci pour la route iconique. Merci pour les clins d'œil, tout ça. Ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, vous comprendrez pourquoi. Oh putain, on va prendre la petite route à droite là. Oh, on va prendre une petite route. Oh, ça va être stylé. Oh, ça va être stylé le ukulélé. Pourquoi il me fait passer par là? Oh là là, l'enfer. Ça va être incroyable. Parce que là, j'ai pas de retour de force. Donc je vais avoir quelques difficultés à mon avis. On va voir. Ok, très bien. Ça va aller. Juste le GPS, il m'emmène où là? Ok. Faire des trucs un peu bizarres. Hein. Bon, on va voir. Pourquoi il me fait passer par là? Non, attendez, je suis curieux. Je veux quand même... Il me fait passer par cette petite route alors que j'aurais très bien pu contourner là. C'est génial. C'est génial. Après, à toute cette route, on l'a déjà fait dans la précédente vidéo, tu vois. Donc tout ça, je couperai. Ah voilà, là, ce sera de la nouvelle route. Ok, très bien. Bon, allez. je suis curieux parce que là, il me fait faire un... Il me fait prendre un raccourci. Mais en même temps, le raccourci, je dois le prendre à 30 km/h. Donc c'est pas vraiment raccourci. C'est un petit peu débile. C'est un petit peu débile. Bon ben voilà, en tout cas voilà, je suis en débardeur hein, parce que je suis un routier, un vrai routier. Les routiers ils sont en débardeur. Non mais pas du tout, mais il fait chaud. Et puis voilà, simplement. Je dis ça en fait, le clin d'œil, c'est parce qu'on transporte du pâté de foie. Et moi ça me fait penser à il y a 2 ans en arrière quand j'avais regardé un vilain commentaire de quelqu'un qui m'a descendu en règle et qui a dit ouais, toi t'es un beauf en train de jouer en camion débardeur, tu dois bouffer du pâté en croûte. Du coup ça me fait penser à ça, voilà. Ça fait ressurgir les souvenirs rigolos. Oh là, il a du mal. Allez, on y va. On y va. On a les remorques les plus performantes. Enfin, les remorques les plus performantes. Du coup, ça devrait pas poser de problème pour le tracteur, je veux dire. Je sais pas ce que je dis, voilà, je vous le dis. Hop. Non, voilà, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous revoir dans les commentaires. Et ouais, vous m'avez manqué, quoi, aussi, il faut le dire, voilà, d'avoir revu un petit peu tous ceux qui me suivaient quand je faisais donc du Euro Truck. Enfin, ça me fait trop plaisir de vous revoir. Et sans rancune, évidemment, ceux qui ne regardent pas mes autres types de contenus, j'ai très bien compris, je le sais très bien, voilà. Et je comprends, voilà, je comprends parfaitement, mais ça change rien au problème que c'est un petit peu dommage, mais je le comprends parfaitement et vraiment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Pour autant, je vais pas me plier aux règles de YouTube en 2022. Je vais pas faire des jeux parce qu'ils sont hype, en fait. Il y en avait un en commentaire qui m'a dit oui, parce que t'as fait du Far Cry 3, mais c'est à la ramasse. Enfin, c'est pas d'actualité. Oui, mais j'en ai rien à péter, en fait. J'avais envie de faire du Far Cry 3. Donc, je l'ai fait. Et encore une fois, c'était pas le problème là. Moi, je vous parle des vidéos travaillées. Quand je fais des contenus genre le test de pureté, c'est quelque chose que tout le monde fait. Et là, par contre, personne n'a regardé cette vidéo et c'est bien dommage. Bon, mais voilà. Tant pis, c'est pas grave. Comme dit, y a pas de souci. Wesh! Attends, je dois faire un angle droit là. Pourquoi il me fait passer par là, lui? Il est malade. Bonjour. Je me suis trompé. Non mais frère, jamais de la vie tu passes par là pour faire un détour. Bon, en tout cas, c'est sympa. Ça permet de découvrir un peu la pampa. Frère, mais c'est quoi cet endroit? C'est incroyable. Bon. On a une petite vue sur les Champs-Élysées. Sur les champs tout court. Non, oui. Retour à la civilisation. On va laisser passer. Pourquoi il ralentit? Non, c'est bon, j'ai rien dit. Je pensais qu'il allait me laisser passer encore. Allez, j'y vais. C'est parti. Donc là, on est sur une route. Ça, c'est un véhicule. Je sais pas si c'est un véhicule Vania du jeu ou si ça vient du mode. Et pas mal le petit Iveco pour ce long. On critique Iveco, mais en vrai, il est pas mal. Hein. Celui-là, en tout cas, il a l'air de tenir le choc. J'aime bien. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais changer le tableau de bord. Ah, voilà. Distance, 696 km. Voilà, on va se mettre comme ça. Il a 822 000 km 923. Ah, il en a quand même un petit peu dans la caboche. Ah, le petit lac à gauche, c'est mignon, c'est beau. Et on va reprendre la route iconique de Mkolo du coup. Eh oui, monsieur, dame. J'arrive un petit peu vite.
c'est normal. C'est la M Company. La M Company, transporteur préféré de ton magasin préféré. Hop. Messieurs, dames, route iconique de M Colo. C'est pour Bibi, c'est pour moi. Ça régale, ça fait plaisir. J'avais oublié l'effet que ça faisait. T'es là, tu penses à rien. Tu te prends pas la tête. T'es tranquille ou bilou. Et c'est pour ça aussi, en live, c'est pas pareil. Parce que en live, c'est plus festif. Tu lis le chat, évidemment, c'est génial. Et du coup, bah, c'est prise de tête en fait. Par rapport à conduire et animer en même temps, tu vois. C'est pour ça que ceux qui se demandent pourquoi j'aime plus trop faire des lives sur Euro Truck, bah, c'est pour ça. C'est là, au moins, je chill, j'ai rien à dire. Et je me régale, quoi. Et je vous montre en vidéo les moments intéressants. Et puis voilà, je pense à rien. Et c'est génial. Oh, ça y est, nouveau véhicule. Ça, je reconnais ça. Ça, y a pas dans le jeu, ça. Bon, ben voilà. Du coup, c'est chose faite. Pareil, hein, si vous avez des suggestions de mode, n'hésitez franchement pas à me proposer en commentaire. Moi, j'ajoute. Y a aucun souci à ce niveau-là. Franchement, j'essaye un petit peu de regarder régulièrement sur le workshop s'il y a des petits trucs intéressants à mettre. Mais voilà, si jamais vous avez des suggestions, let's go. Je suis en train de faire une dinguerie là. On arrive sur un rond-point et je me suis mis à gauche. Je suis débile. Je suis le pire. C'est pas grave, c'est pas grave. Regardez bien ce qui va se passer. Oh, le petit taco. Regardez, hop. J'y vais, normalement la voiture. Ah mince, elle continue, c'est pas grave. Et ouais. Et là il va y avoir un couac. C'est de ma faute, hein. C'est totalement de ma faute. Je l'assume, tout se passe bien, pas d'accident. Voilà, c'est bon, mais c'est de ma faute. J'aurais dû rester à l'extérieur. Je l'admets, messieurs dames. Je l'admets. Puis là, je dois refaire un écart parce qu'il y a un obstacle. Attention, messieurs, dames, on se décale, s'il vous plaît. Je vais pas vous rentrer dedans, promis. Voilà, merci. Allez, on est reparti pour reprendre l'autoroute. La même que j'ai prise... même pas hier, au moment où je tourne la vidéo, tu vois. Mais c'est pas grave, on aime bien. Ah, le retour des travaux. Ça n'a pas bougé. Bah après c'est normal, ça prend du temps les travaux, hein. Bon courage messieurs, hein. Ils font que de papoter depuis la dernière fois. Terrible. Alors là on continue tout droit. Et dans la dernière vidéo on a tourné à droite. Direction Rivière Sens. Et là nous on va à gauche. Oh putain, il y a plein de bagnoles. Il me laisse passer. Il me laisse passer. Merci, hein. C'est gentil de sa part. Parce que là, j'aurais bien été emmerdé. On revoit la mer. Et cette fois, la mer côté nord. Sud. Là, c'est la mer du sud, si je dis pas de bêtises. Donc là, on vient de traverser toute la map. C'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on avait la mer du nord. Et là, on a la mer du sud. On va arriver sur Rombas. Et puis, on arrivera à destination. Ça va être bien plus sympa de passer sur la nationale que sur l'autoroute. Faudra vraiment que, voilà, à l'avenir, de toute façon, là, c'est le début. Mais et d'ailleurs, pour ainsi dire, mes missions ne sont pas classées niveau rentabilité pour le prix kilométrique. Bien au contraire, c'était justement une mission avec la remorque M Company. Enfin, pour du coup, mon entreprise. Mais ouais, il y a quelqu'un? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis en vidéo. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, vas-y. Ouais, je disais, donc les trajets que j'ai pris, c'est des trajets justement, les deux premiers, c'était fait exprès pour avoir L7C Fox et pour avoir maintenant le trajet M Company. Mais pour les prochaines, du coup, on va vraiment prendre des itinéraires. Ouh, toujours sympa. Des petits itinéraires avec des petites routes plutôt que prendre l'autoroute. Voilà, là c'est que le début. Mais en tout cas, voilà, on est plutôt pas mal. Genre, il y a une piste cyclable ici. Alors, si vous entendez du bruit de fond, je sais pas si on entend. Bon, moi je l'entends, mais je sais pas si ça s'entendra dans la vidéo. Bah, désolé du coup. Donc voilà, désolé pour les bruits de fond, c'est des travaux. Si le toit ne me tombe pas sur la gueule, hein. Voilà, on fait des travaux dans le camion en fait, voilà. Bon, vivement qu'on sorte de cette autoroute, hein, quand même. Je crois qu'on va sortir direction Ilif. Oh, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Aéroport, suivre Rombas, ok. Je me souviens pas qu'il y avait un aéroport. Trop bien, trop bien, trop bien. Allez, on sort enfin de l'autoroute. Enfin là, du coup, on va être sur une nationale, si je dis pas de bêtises. Mais ce sera déjà mieux que l'autoroute, hein, clairement. Alors lui, il part en vacances un mardi, frérot. Incroyable. Péage à 400 mètres. Donc là, on quitte l'autoroute et on découvre Rombas. Et là, on traverse. En fait, on est comme sur un périph. C'est ça, hein. C'est comme le périph parisien. Je sais pas, j'y connais pas grand-chose. Bon, là, on n'est pas à Paris, hein.
Mais dans l'idée, c'est un petit peu... Là, on traverse la ville, en fait, par-dessus, quoi. Là, on se croirait à Marseille, enfin... C'est un mélange de... Bah, c'est ça, en fait, un Grand Utopia, hein. C'est un mélange de tout. Ah là là, c'est trop stylé, c'est dommage qu'il pleuve, là, les palmiers, tout ça, c'est trop stylé. C'est vraiment dommage, la pluie, ça rajoute du charme, mais alors, pour le coup, là, j'aurais bien aimé qu'il fasse beau, quoi. Ça donne plus envie quand il fait beau, on va pas se mentir. Retour à la réalité. On est bientôt arrivé, pour ne pas dire qu'on est arrivé. Ça y est, Ilif, découverte. C'est là où nos chemins vont se séparer. Alors bien sûr, pour les prochaines fois, donc, je vais faire le bon compromis entre un bon rapport prix kilométrique, mais en plus de ça, un trajet par des petites routes bien sympas. Des trajets peut-être un peu plus courts. Bon, ça, c'est vraiment pas un problème pour la vidéo. Mais en tout cas, voilà, juste des petites routes, quoi. Et là, j'ai foiré. Voilà, comment créer un problème. J'ai freiné, j'ai mal freiné. Et il me laisse passer. Est-ce que... Bon, dans la vraie vie, ça marche pas ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis en train d'arracher la remorque. C'est pas grave, c'est mon entreprise. Mais ouais, à cause de la pluie, j'ai eu du mal à freiner, voilà. Oh, c'est sympa, le petit port. Donc... Le port d'Amsterdam. Là, on se croirait en Charente-Maritime. Ou en Bretagne, tiens, surtout avec la pluie, on se croirait vraiment en Bretagne. Ah oui, c'est ça en fait, on est en Bretagne là, les gars. C'est exactement ça. Salida. Salida. Je suis jamais allé là. J'ai jamais déchargé ici. Alors. Alors là, le camion fantôme, les gars. Voilà. On n'est pas trop mal. On n'est pas droit, mais on s'en fiche. On est dans nos lignes. Voilà, comme on dit. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est vraiment un plaisir de vous lire comme à chaque fois. Est-ce qu'on passe niveau 1? Pas du tout. On passe pas niveau 1. En tout cas, voilà, 52 km, 50 minutes de transport. Bon, dans la vraie vie, j'ai passé un peu plus de temps du coup, mais bon, j'ai eu une coupure entre temps. 1027 euros, puis voilà, on est plutôt pas mal en tout cas. Allez, plein de bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.